Bon les gars, je suis arrivée à Paris, il pleut de ouf. Donc aujourd'hui on a un tournage et tout, je suis avec ma petite Céline. Ma petite Céline. Et voilà, et du coup je vais vous emmener sur le tournage, je vais vous montrer un peu les backstage. Tournage de l'émission Un Date Avec, donc avec un prochain invité. Et vraiment il fait un temps de caca en fait. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un vol, mon vol il était le pire vol de ma vie. Il y avait en diagonale de moi, il y avait une petite fille de, je crois, de 1 an et demi, 2 ans, qui hurlait, elle ne pleurait même pas. C'était des hurlements quoi, pendant tout le vol. Et comme j'ai pas bien dormi parce qu'il fait trop chaud chez moi, c'était un calvaire. Mais on est là. Voilà les amis, le setting. Parce que j'ai retourné en 2018 aussi, en 2019. On a Céline et Céline qui est avec moi et on attend notre invité. Voilà, je suis en date avec Tony. C'est l'émission qui s'appelle En Date Avec, voilà. Parce qu'il va se faire engueuler. Non, pas du tout, j'ai pas dit ça. Et puis tout à l'heure, j'ai un truc dans la dent, tu m'as rien dit. C'est vrai? Ouais, j'ai un truc pas là. Pendant toute l'émission, je vais avoir un truc dans la dent. L'archouma. Si, en plus, ça se voit de ouf. Ah, ça y est, ça m'énerve. Ah, je suis vénère. Ah, je peux pas. Non. Je vais mettre la cam que sur toi. Tu l'assumes que, on fera dans la vie, il faut s'assumer. Il faut s'assumer, mais moi il m'est arrivé la même chose il n'y a pas très longtemps. Tu connais? Ah, vous êtes trop, je suis en train de regarder les messages, j'ai eu beaucoup de messages de votre part et franchement vous êtes trop gentils et merci beaucoup. Après je cherche pas à être genre la plus respectable ou quoi, c'est juste que voilà, je trouve que c'est important surtout de nos jours de pas perdre ses convictions et voilà. Et puis on est un peu trop endoctriné par beaucoup de choses et c'est facile de succomber aux sirènes de l'argent facile, mais en vrai il y a des trucs qu'il faut pas faire. Oh tiens, ça sonne à la porte. Donc merci pour vos messages, je vous embrasse.